Salutations spéciales pour mes amis. Nous pourrons aller ensemble. Jeudi, il y a une autre portion d'études pour semaine. Mais bien avant même que nous entrions dans l'étude, jeudi, allons prier le Seigneur. Nous bénis, louer, exaltons, éternel notre Père et notre Dieu. Merci pour vos visions qui ont été faites pour nous pendant la semaine. Tandis que, encore une fois, nous pourrons étudier une portion de la parole. Bah, nous intelligents, c'est comme ça nous capables de comprendre, mémoriser et arriver à appliquer dans la vie nous chaque jour. Comme ça nous prions dans notre Jésus. Amen. Comme nous connaissons déjà, leçon n'apprend ensemble pour semaine ça, c'est leçon 11, raconter l'histoire de Jésus. Verset à mémoriser. Car je vous l'ai écrit pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui mettez votre foi dans le nom du Fils de Dieu. Cela, je vous l'ai écrit pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui mettez votre foi dans le nom du Fils de Dieu. 1 Jean chapitre 5. Verset 13. Jeudi à qui c'est 10 septembre, nous allons ensemble partie leçon qui citerait un message qui vaut la peine d'être partagé. Un message qui vaut la peine d'être partagé, c'est étude pour jeudi. N'a pas commencé leçon avec un texte biblique qui c'est Galates chapitre 2 verset 20 qui dit je suis crucifié avec le Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi du Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Eh bien, là nous prenons nous analyser eh bien la Bible, nous ouais, assurément il y a des grands sacrifices pour nous faire nous-mêmes qui accepter Jésus. Et nous capables dit Jésus mande nous pour que nous capables abandonner ensemble des choses que nous-mêmes nous qu'on a fait chaque jour dans vie nous qui paraît comme des habitudes. Eh bien Jésus parlait clairement des engagements qui liaient eh bien les nouvelles venir discipler. C'est-à-dire Jésus montre nous qu'il y a ensemble des choses pour que nous capables faire et les nouvelles venir discipler. Prenons par exemple dans Luc chapitre 9 verset 23, il dit si on monde veut venir après moi, si on monde veut suivre moi, c'est pour monde s'oublier tête lui, c'est pour le charger chaque jour de souffrances, de douleurs qu'il va rencontrer et comme ça pour que lui-même li capable suivre moi. C'est-à-dire nous la mort eh bien sur une croix, c'était une bagaille dans l'époque Jésus a qui était plus humiliant. C'est-à-dire c'est toujours des criminels que eux-mêmes ils étaient torturés dans façon ça. C'est-à-dire c'était en forme d'humiliation, en forme de torture. Eh bien, là, ils clouaient un monde sur une croix. C'est une mort qui était vraiment douloureuse. Et ça fait Jésus, eh bien, tellement qu'on a un ensemble de sacrifices que nous avons pour nous faire lorsqu'il a venu Dieu, Jésus comparé, eh bien, avec, il comparait, eh bien, la croix, la souffrance de la croix avec ensemble de choses que nous-mêmes nous gagnons pour que nous capables, eh bien, souffrir pour lui. Eh bien, quand nous abandonnons vie, nous, avec revendication, que Christ lui-même n'y fait nous, eh bien, vieil homme que nous étions auparavant, eh bien, ça y est, il pourrait clouer, il pourrait crucifier à la croix, mais c'est un bagage qui est douloureux pour déshabituer avec toute habitude que vous construisez pendant toute vie, eh bien, l'homme vient accepter Jésus, eh bien, qui ensemble des choses ou besoin de mettre au décote. Eh bien, c'est parfois, Jacques nous dit, là, il est vraiment douloureux, mais pour nous abandonner tout désir que nous qu'on a chéri, toute habitude que nous avons pendant toute vie nous, mais ce qui est plus important, c'est que eh bien ça Jésus réservé pour nous, hein, les plus larges, les plus importants, les plus grands, eh bien que petit moment douleur, souffrance que nous même nous connaît ici bas. Eh bien il y a un témoignage qui plus fort qui plus grand qui capable changer la vie l'autre monde, et c'est pas ça nous même nous quitter pour nous venir suivre Jésus. Eh bien, c'est ça, eh bien, Jésus lui-même l'a fait pour nous. C'est ça qui est capable de changer la vie, mon Dieu. C'est ça qui est plus important. Eh bien, et c'est pas parler de ça que nous-mêmes nous laisser pour nous venir de Jésus, mais plutôt parler de ça que Jésus lui-même l'a fait dans la vie, nous. Christ n'a jamais demandé nous pour que nous abandonnions, eh bien, quel que soit ça qu'il connaît qui est capable bon pour nous. C'est-à-dire, tout ça nous, Jésus m'a demandé pour nous abandonner, c'est parce que Jésus connaît, il n'est pas bon pour nous. Eh bien, pourtant, dans l'histoire christianiste là, nous avons un pile monde qui t'a fait un pile effort, qui t'a abandonné un ensemble de choses, mais pour être capable de venir joindre Jésus. Nous capable par exemple Matthieu qui était un collecteur d'impôts. Jésus t'a fait un appel ensemble avec lui, et bien il laissait ça le faire et il vient joindre Jésus. Nous capable par exemple Pierre. Pierre était avec Jésus, Pierre quittait ça le faire
eh bien, il vient joindre Jésus parce qu'il t'a pêché poisson. Jésus dit Pierre, eh bien, quitte ça va faire, viens joindre moi et après ça, ma foi vienne pêcher d'homme. Et Pierre pas poser des questions qui ça et madame ni eh bien petite les familles pour aller vivre, mais Pierre t'est laissé filer et vient joindre Jésus. C'est-à-dire nous avons ensemble des monde qui fait des grands sacrifices dans le passé qui a abandonné en pile ça qui même ont gagné pour que yo capable eh bien suivre Jésus. Eh bien nous ouais monde ça yo c'est pas parce que ont été abandonné eh bien ça que eux même ont été quitté pour venir suivre Jésus qui fait monde ça yo même yo gagne accès pour yo capable sauver ou bien qui fait un mérite dans Dieu bon Dieu. Au lieu de cela dans la plupart des cas nous ouais monde ça ont été pas conscience de ça Christ lui-même lui fait pour yo eh bien qui ont été garçon qui ont été fille eh bien yo était tout prêt pour être capable déposer toute bagaille pour que yo même yo capable répondre avec appel que Jésus lui-même lui était lancé ensemble avec eux. Maintenant nous pour aller dans 1 Jean chapitre 1er et verset 12, nous allons lire 4 textes. Premier c'est Jean 1er verset 12 qui dit: et mais à tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu lesquels sont nés. Deuxième texte c'est Jean chapitre 10 le verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Et l'autre texte que nous allons lire encore, c'est Jean 14, verset 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Dernier texte que nous allons lire, c'est 1 Corinthiens chapitre 1er, le verset 30. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. Eh bien, et réflexion que nous capables de faire, témoignage nous est toujours basé sur ça Christ lui-même fait pour nous. Eh bien, dans le texte que nous sommes lis là, on nous essaye de faire une liste de certains dons, eh bien, de grâce qui mentionnés en dans le texte, c'est-à-dire de dons que Jésus lui-même lui fait. Nous pouvons maintenant Jean chapitre 1er verset 12, nous ouais, eh bien Jésus bah nos possibilités pour que nous capables venir enfants de Dieu grâce avec la vie, eh bien la mort et résurrection, eh bien sous terre ça. Dans Jean 10 encore verset 10, Jésus dit nous libère nous la vie en abondance. Ça c'est le deuxième don que nous bénéficions. Dans Jean 14 verset 27, Jésus ba nous ça nous relève la paix. Et dans 1 Corinthiens chapitre 1 le verset 30, eh bien Jésus ba nous la justice, Jésus ba nous eh bien la sanctification, il ba nous la sagesse et il ba nous ça nous relève la rédemption. Eh bien à la lumière des textes que nous lit là, eh bien nous capable penser avec ensemble de choses ça yo et ben que Jésus lui-même ni fait pour nous. Et ben ou capable toujours un chrétien qui dévoué ou capable connait en pile expérience spectaculaire mais bonté et ben que Jésus lui-même ni fait preuve envers nous hein, et ben et raison pour que nous capable vivre dans la paix le bonheur et ben qu'il ba nous, c'est-à-dire ça que Jésus fait pour nous yo, nous capable dire c'est raison même pour que nous capable vivre dans la paix, pour que nous capable vivre eh bien le bonheur. Eh bien c'est-à-dire nous ouais à travers le son je dis hein, eh bien il faut que nous capable eh bien partager eh bien parole ça pour nous faire nous connaître eh bien ça que nous même n'a fait yo, eh bien ça que nous abandonné yo, c'est pas yo même qui capable changer vie l'autre monde. Mais c'est ça que Jésus lui-même li fait pour nous. Jésus laisse trône, il est venu sur la croix et bien pour capable mourir pour nous pour que ensemble nous-mêmes nous capable gagner la vie éternelle. Pensez avec ensemble d'occasion et bien que Jésus lui-même ni barre pour que capable traverser des moments difficiles, pour traverser des expériences difficiles dans vie ça. C'est-à-dire nous ouais, c'est grâce avec Jésus qui fait jodi a nous capable river gagner la vie éternelle. Quel genre de sacrifice et bien que Christ lui-même ni relo pour capable faire pour lui. Et qui s'en tout ou même ou apprendre des expériences à yo qui capable venir en bénédiction et bien pour l'autre monde yo. Et bien en gros c'est leçon ça. Et bien nous vinn joindre Jésus, nous gagne ensemble des sacrifices pour nous faire, mais c'est pas sacrifice nous fait au cap garantir nous la vie éternelle. Et puis tout c'est pas sacrifice que nous fait yo qui pourrait changer la vie l'autre monde, mais c'est ça Jésus lui-même l'y fait pour nous. C'est-à-dire je dis à nous appeler pour que nous capable partager bonté Jésus. Et bien la paix que Jésus bail là, la vie que Jésus bail là avec l'autre monde qui pas connait nous et comme ça yo même tout pour que vous capable et eh bien venir joindre Jésus. Un message qui vaut la peine d'être partagé, c'est des études jeudi. Déjà, je vous souhaite une bonne étude et à la prochaine.